Donc, nous comprenons si éducation et culture, c'est des pions. Et c'est des pions capables d'appuyer nous pour l'émancipation. Nous comprenons qu'il est important ce que ça va gagner au sein de nos sociétés. Au sein de la société de Haïti. Donc, y a tous les deux pions, ça, éducation avec culture, y a représenté des hommes qui, avec le temps, sont capables de favoriser des émancipations qui sont tout à fait judicieuses pour l'action publique dans un pays, tant que pays, nous, Haïti. Entre autres, nous comprenons qu'en révolution culturelle en Haïti, c'est une révolution qui t'a supposé porter en pile rénovation dans le pays. Là. Et ma presque fini, m'a dit que situation droit culturel en Haïti, yo trouvé une réelle nécessité pour prendre en considération. Parce que pas de aucun moyen de protection qui existait dans le droit culturel en Haïti. Voir que tu as valorisé. Yo pas protégé comme on a fait valoriser. Donc, si quelque part, ou pas ni protéger ni valoriser, c'est comme si vous avez PI pour être capable de ramasser n'importe quoi. Donc, c'est situation, ramasser tout ce que qui fait, ou bien, ou est que particulier, ou bien obligé de faire choix. Et choix qu'on fait, parce que l'Occident, il n'y a pas dormi, il y a imposé, parce qu'on n'y a pas travail, il n'y a pas imposé. C'est ça fait en Haïti, qu'on y a, ou dans la radio, dans la télévision. Ça qui plus fait actualité, c'est produits occidentaux, c'est produits américains, c'est produits français, c'est produits etc. Donc, au grand culture qui, pas dit que situation ça a porté à forme d'acculturation concrète, mais avec le temps, dans 15, dans 10 ans, dans 20 ans, ouais, c'est en forme subtile d'acculturation que y a. Et l'idée pour nous qu'on est capable de repenser la question de notion d'héritage culturel en Haïti. Et parce que l'héritage culturel haïtien est capable de représenter un actif pour nous, pour nous capable de transformer et rendre des actifs économiques. Et pour moi, c'est un début de mouvement qui comprend, un mouvement pour nous capable de valoriser droit culturel. Et droit culturel, ça, il est capable porteur de en révolution lente et silencieuse pour la nation haïtienne. Et même j'ai avec déclaration Fribourg que je très aimé et philosophie, je pense que nous t'as supposé depuis qu'on y a placé pour nous aider nous comme si prend conscience et placer tête nous au centre de culture nous, de valeur nous, enfin au cœur de héritage nous. Dernier slide, moi et lis et citation ça de Dr Jean Price-Moss qui dit que nous pas gagné pour nous capable pour nous capable rougir de l'Afrique parce que continent ça était connu il y a une époque de haute civilisation. Au contraire, on nous fier parce que nous c'est nègre parce que nous t'existait en tant que peuple et nous devons bon culture qui propre à nous. C'est pour nous développer culture ça et mettre en valeur. Merci beaucoup. Alors, c'était Miss Sassi Moniz Krista. Et Miss Simonis Krista finit partie deuxième volet avec trois mondes qui sont présentés. Monsieur Jerry Michel, qui était présenté surtout sur mémoire de l'esclavage. Nous avons Dr. Judith Blanc, qui était présentée sur Is Haitian Epistemology and African Epistemology, qui était fait une comparaison. Et nous avons terminé avec M. Simonis Krista. À ce moment-ci, nous croyons que nous avons passé un volet de questionnement. D'échange ou de questionnement? Parle-moi comment tu présentes ça.